Alors, vous avez dit que c'était un parc qui était essentiellement composé de Mac. Quel est le coût d'un parc hétérogène comme ça? Et est-ce que on est dans cet a priori qu'on a de se dire que on a un parc avec des Mac, donc c'est plus cher? Effectivement, a priori, je l'avais également à mon arrivée dans l'entreprise. Et le modèle d'acquisition avant mon arrivée était peu avantageux. Mais grâce aux solutions proposées d'Apple Financial Services, suite au conseil de notre revendeur InMac Store, j'ai pu me rendre compte très vite que les équipements pouvaient nous revenir moins cher que des équipements traditionnels type PC. Parce qu'avec Apple Financial Services, donc, vous avez la possibilité de souscrire un contrat de location, plus que de rentrer dans une phase d'acquisition du matériel. C'est aussi ça, non? Tout à fait. Nous, en tout cas, nous sommes dans un modèle où nous louons nos équipements. Et en fait, l'acquisition n'est quelque chose qui nous, qui n'est pas dans notre choix, car au bout de 3 ans, l'équipement, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il va être recyclé, qu'il aura une seconde vie, et nous permettre également de renouveler notre parc de façon régulière. Le modèle d'acquisition présenté par InMac Store nous permettait d'avoir des coûts de mensualité plus faibles, de par le fait que la machine a une forte valeur résiduelle au bout des 3 ans, ce qui permet de réduire la mensualité des loyers. Et au final, lorsque j'ai fait des projections financières, je me suis rendu compte que avoir des Mac en leasing revenait moins cher qu'avoir des PC en leasing À et configuration égale. à configuration parfois même supérieure. En termes de coût, justement, puisque c'est un peu la question qu'on se pose, et c'est ce qu'on a envie de savoir, les économies, elles sont de quel ordre, à peu près? Avant d'arriver dans l'entreprise et avec le nouveau modèle auquel j'ai adhéré, on a pu réduire les coûts de 50%. C'est quand même conséquent. L'accompagnement donc InMac Store a permis de faire ces économies et surtout auprès de la direction financière, se dire voilà, aujourd'hui être complètement équipé de Mac revient pas plus cher en tout cas, même moins cher. Et ça nous a permis donc de répondre aux besoins de nos collaborateurs. Et aujourd'hui, ce besoin, il est essentiel. Un collaborateur qui utilise une machine avec laquelle il se sent à l'aise, c'est une garantie de productivité et également de considération pour l'entreprise, des données très importantes pour notre société, sans pénaliser voilà, nos budgets. Vous faites des économies aussi en termes d'assistance, parce que c'est des utilisateurs satisfaits qui ont moins de problèmes avec leur machine, puis qui appellent un petit peu moins souvent le service IT. Moins de support forcément lorsqu'on est à l'aise avec son équipement, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien, d'avoir répondu à nos questions. Merci Stéphane. Je rappelle que vous êtes le DSI de Mastéos. Merci également à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci et au revoir.